Pour la toute première fois, le lycée Joliot-Curie à Aubagne a mis en place des séances de sophrologie quelques semaines avant le bac. Il existe différents types de sophrologie, mais pour ma part, je commence la séance en leur demandant leur météo intérieure, comment ils se sentent le jour de la séance. Ensuite, on fait des exercices de respiration pour mobiliser le corps et se rendre compte qu'on peut s'apaiser. Et ensuite, on fait la séance où on visualise des choses positives. Donc ça doit passer par plusieurs étapes. Tout d'abord, relâcher les tensions musculaires qui sont générées par le stress. Ensuite, apprendre à gérer ses émotions pour pouvoir se concentrer au mieux pendant les révisions et les épreuves. Ensuite, travailler sa confiance en soi en se rendant compte qu'on a plein de possibilités et de capacités. Et ensuite, en visualisant justement le jour J de manière positive pour être en pleine possession de ses capacités le jour J. À quelques jours de l'examen, l'infirmière de l'établissement, à l'initiative de cette démarche, espère que cet exercice portera ses fruits. Alors déjà, ce sont des élèves très sérieux qui se sont impliqués. Il faut s'impliquer, venir de manière régulière, puisqu'il y a eu 5 séances qui ont été mises en place. Je pense que ça leur a fait énormément de bien, qu'ils ont plus confiance en eux. Voilà, ils se sont accrochés à ces séances et ont été très sérieux. Donc on verra le résultat. Mais moi, je crois très fort en eux. Voilà, avec cette nouvelle expérience, je pense qu'ils vont bien réussir.